Salut tout le monde, je vous retrouve pour le glitch duplication avec le jeu de fléchettes. Donc c'est une duplication de véhicules. Ouais, j'ai des petits bugs. Donc il vous faudra le camion. Il vous faudra une RH8. La voiture que vous voulez dupliquer, il faudra la mettre au cul du camion. D'accord? Vous la rentrez dans le camion avant. Et après, vous prenez une RH8 dans votre garage. Donc, il vous faut absolument être dans une session solo. D'accord? Ça marchera pas ailleurs. Donc là, je mets la voiture. Je rentre dans le camion. Il est vraiment très simple, ce glitch. Je vous le referai plusieurs fois. Donc là, je rentre dans la voiture. Je sors mon téléphone. Je vais dans activité rapide. Je vais aller sur le jeu de fléchettes. Donc passe-temps, jeu de fléchettes. Et il va falloir que je sorte du garage. Donc je vais accélérer. Dès que j'aurai l'écran noir, je vais valider le jeu de fléchettes. D'accord? Donc je vous ai montré en mode rapide là. Donc il y aura plusieurs façons aussi d'avoir le véhicule. Donc vous risquez de l'avoir normal, buggé. Donc si vous l'avez buggé là comme moi, il vous faudra prendre le camion, partir dans une autre rue. Voilà. Descendre du camion et lancer une activité créée par Rockstar. Vous faites une course, vous lancez la course et ensuite vous la quitterez. Donc le glitch que je vous ai mis hier, il fonctionne toujours. Et il me paraît plus simple, donc moins de bugs. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc c'est solo aussi. Là, je suis désolé pour la qualité de l'image, mais je vous le refilmerai ce soir au calme, d'accord? Là, je vous l'envoie proprement, même si la vidéo elle a foiré. Donc là, vous voyez, elle est encore plantée. Maintenant que je suis revenu, tout ça, que je l'ai fait sortir de sous la map, je vais mettre mon camion mobile et je vais le mettre devant cette voiture. Ça va me permettre de la débugger et en fait, je vais rentrer dedans et je vais faire juste flèche pour la mettre dans le camion et finir ma duplication. Parce que là, ma duplication, elle n'est pas faite. D'accord? Il faut absolument qu'elle rentre dans le camion. Donc, tout simplement, vous la mettez. Vous mettez le camion devant. Et vous allez réussir à la rentrer. Vous voyez, il me dit dépôt de véhicule, il est plein. Donc c'est bon. Là, j'ai transvidé la voiture que j'avais dedans, elle est partie dans le garage. Et là, j'ai la duplication qui est bonne. Donc maintenant, on peut le refaire. Vous rappelez Nelly Guy, vous allez à votre garage chercher Nelly Guy. Session solo, les gars, c'est très important. Dans une session solo. Il vous faut un camion module 3 avec un garage au module 3. D'accord? Sinon, le véhicule, vous ne pourrez pas le rentrer. Donc là, moi j'ai appelé mon mécano, j'appelle ma RH8. Donc vous pouvez faire aussi avec une voiture de la rue, si vous n'avez pas les RH8, vous n'êtes pas dans un crew. Vous mettez les voitures de la rue dans votre garage et après vous faites le glitch avec. Donc là, je rentre dans mon garage, dans mon camion, je fais activité rapide, passe-temps, fléchette. Dès que j'ai le menu fléchette pour valider, j'accélère. Dans le menu noir, hop, je valide. Donc pensez bien, vous accélérez. Vous attendez une seconde que vous avez l'écran noir et là vous validez le jeu de fléchettes. Et vous aurez passé l'after patch. Vous serez dans l'after patch, donc par rapport au glitch à José qu'ils ont patché. Donc là la manipulation elle est juste inversée et ça fonctionne. Voilà. Donc là, le véhicule, il est encore sous la map. Donc j'ai pas de chance sur ce coup. Mais au moins ça vous permet de voir quand le véhicule est buggé, comme c'est souvent. Donc là, je m'éloigne, je descends, je lance, créé par Rockstar, une activité, course. Il est vraiment très facile, hein, je vais un peu vite, mais ce soir, je vous le filme correctement et je vous ferai un petit live. Donc vous avez l'invisibilité qui fonctionne toujours.
Vous avez le glitch avec l'invisibilité solo qui fonctionne toujours. Moi, je vous conseille cela. Voilà. Ils sont plus rapides, efficaces. Et voilà. Donc, c'est à peu près le même système. Gros big up à José. Donc, c'est encore un after patch de José et tout ça. Ça vient de son glitch. Hein. Donc, tout ce qui se passera dans le camion avec les activités, c'est after patch du glitch de José. Donc, c'est zone 78. Abonnez-vous à sa chaîne. Franchement, il est très méritant. Il vous fait des lives. Il va vous sortir des nouveaux glitches solo. En plus, c'est un spécialiste des glitches solo. Donc, j'espère qu'il va aller finir ses glitches. Donc, vous voyez, là, je suis revenu de l'activité. Je remets mon camion devant la Heli-Guy. Donc, là, je suis un peu trop loin. Il va falloir que je me rapproche encore le camion. Donc, la voiture, vous voyez, elle est clouée au sol. Si vous avez un autre moyen de débugger les véhicules, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, les gars. Invitez, mettez vos PSN, vos consoles. Essayez de faire avoir les camions à ceux qui l'ont pas, qui puissent faire le glitch. Voilà, bon, ceux qui sont pleins, hein, les gars. La plupart de mes abonnés, ils sont pleins d'argent. Vous suivez toujours, ça fait grave plaisir. Ça serait bien qu'on fasse un peu de solidarité et qu'on aide un peu les autres.